je m'appelle Marie Fugain et je suis porte-parole d'Handicap International Canada. Alors, la mission d'Handicap International, c'est d'être là dans les situations de pauvreté, d'exclusion, de conflit, de catastrophe, d'être là pour aider les personnes handicapées, les personnes les plus vulnérables, en essayant d'améliorer leurs conditions de vie le plus possible. Voilà, c'est la guerre, c'est la guerre. Hein. C'est tous aux abris, on se défend comme on peut, on se cache, on a peur. C'est pas une vie, il n'y a pas un être humain qui veut arriver sur Terre et vivre ça. Même quand la paix est revenue, c'est pas une vraie paix, parce qu'on sait pas où on marche, on sait pas ce qui peut arriver, on a peur. Quelqu'un qui est mutilé, c'est quelqu'un de moins pour aider dans un village, pour faire de l'agriculture, pour aider à nourrir des bouches. La pyramide de chaussures, c'est avant tout un événement de solidarité, c'est un événement pour montrer aux victimes qu'on pense à elles, qu'on est là avec elles, qu'on a le même projet de se battre. C'est une journée qui va être à la fois très didactique et très festive. On va faire essayer des prothèses à des gens qui ont leurs deux membres, leurs deux jambes ou leurs deux bras, pour leur montrer ce que vivent les autres. C'est important aussi de savoir, pour se positionner par rapport à tout ça, de savoir ce que vivent les autres. Et puis, il y aura aussi beaucoup de musique, il y aura des échassiers, il y aura des clowns, il y aura de la danse. Voilà, on pourra faire plein de choses. Donc le 29 septembre, entre 11h et 17h, on attend les gens pour venir d'abord apprendre plein de choses. Et puis, pour nous aider à faire changer le projet de loi canadien sur les bombes à sous-munitions, en venant signer, à poser leur nom sur un grand panneau qui sera notre pétition.